Allez-y. Ça y est. Regardez, la cinématique va changer. Donne tout, Christopher Lloyd. C'est surprenant, mais ce maillet n'a pas frappé très fort. Je suis deg. Vas-y, Flux, cogne le coniomètre de toutes tes forces. Non. Attends, est-ce qu'il faut que... Il doit y avoir un meilleur moyen de remettre de l'ordre dans mes idées. Vas-y, Flux, mais non. Mon maillet plus gros que le vôtre, nananer. Faut faire de la muscu. Ah oui, mais avec quoi? Je suis devenu fou. J'ai... Regarde tous ces déguis. La muscu, il faut être invité. L'autre avait des pop-corns, mais du coup, les pop-corns, ils sont pas cuits. Hé, hey, Dorothée, que diriez-vous d'un bel épi de maïs? Oh non, merci, voyez-vous. Je hais les épis de maïs. Je l'ai. Désolé. Donc en fait, faut vraiment aller chercher tous les objets du cadeau-matique. Mais je trouve ça débile, ludiquement. Et la bibliothèque du château, on peut pas l'ouvrir. Et le chemin à gauche de l'écureuil. Mais en fait... Ah si, putain. Ok, d'accord. Le truc est caché derrière l'arbre totalement. Ok. Ça me paraissait aussi bizarre. Comment ça va, les gars? Salut. Belle journée pour une balade. Hein. Oh, moi, c'est SM Lou. À votre service. SM? Ce sont les initiales de Super Méchant. Ah, c'est chouette. Ça, au moins, c'est un prénom de chien. Super Méchant. Ça remplit bien la bouche. Encore une vanne comme ça, l'ami. Et c'est toi qui me rempliras la bouche. Pardon? Mais à qui ai-je donc l'horreur de parler? Je m'appelle Marc Blanc. Et lui, c'est Flux Radieux. Ravi de faire votre quiz... votre connaissance. Et nous aussi, monsieur le loup. Bon, je crois qu'on va y aller. Hein? Restez juste un moment, les gars. J'ai une petite faveur à vous demander. Vous voyez, j'ai des amis à dîner ce soir. Et j'espérais que vous pourriez m'apporter une bonne bouteille de pinard. Mais oui. Pour soutenir mon attaque. Allez, va chercher les capsules d'extra dans le monde des j'ai gâteaux. Des irritations. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi aussi j'ai des irritations des fois. Surtout quand ça me gratte. Vous pouvez considérer que nous voyons parfaitement ce que vous voulez dire, monsieur le loup. Je vous en prie. Appelez-moi SM. Je persiste. Très bien. SM. Nous ouvrirons l'œil pour voir si on peut vous trouver du vin. Excusez-moi, mes amis, mais je crois que nous nous sommes mal compris, voyez-vous. Je ne vous demande pas d'ouvrir l'œil. Et je vous ordonne de me rapporter une bouteille de pif et fissa si vous voulez ressortir en un seul morceau de cette forêt. C'est pas aussi une mascotte de céréales? Bon, maintenant, je tiens à vous souhaiter bonne chance pour votre mission, ainsi qu'à votre ami. C'est vraiment super de votre part, SM. Évidemment, tout est super chez moi. C'est drôle. J'étais justement en train de penser que vous aviez vraiment de grands yeux, mon loup. C'est pour Michel mieux voir Elias, que vous n'avez pas encore ma bouteille de vin. Alors, cassez-vous. Et vite. Allez, ciao. C'est les la gars. Voix de Watou. Mais oui. Oh, merci. Voilà. Tu te prends pour un Jedi à faire des voix, des pas, ça va les mains comme ça.
C'est je un suis ton italien. Les trucs mental, ça marche pas avec moi. Il y a que l'argent qui marche. Perfidiana Tamicus. C'est quoi? Un carré de bruyère de perfidia Bruyerus. Perfidiana Tamicus. Tu veux des haricots? SM, écoutez, je n'ai pas de bouteille de vin sur moi, mais j'ai un panier avec des galettes et un petit pot de beurre. Et tenez, si je vous donne mais non, ça. Non, on n'a pas place... de beurre, malheureusement. Vous êtes tordant. Vous me faites rire. Mais... J'aime rire. Ça fait du bien. Très bien, alors je. Bon, fini de rigoler. Maintenant. Il n'y a que moi qui ai un hyperdrive T14 dans le coin, je peux te le garantir. Ça va saigner. Ah oui, non, c'est la voix de... Alors attendez, parce que là vous mettez le doute. En fait, c'est la voix de... c'est la même voix de Pumba et de Watu que dans le jeu sur PS5. Quoi. Putain, mais c'est noisette. Mais est-ce qu'on peut les remplacer par des haricots? Pas terrible comme cadeau. Si je t'offre un... Je ne pense pas que ce soit le genre de chose que recherche un écureuil. En même temps, il est tellement vénère cet écureuil, je ne sais pas quoi lui donner, moi. Je ne pense pas que ce soit le genre de chose. Pourtant, il y a une animation à faire avec machin. Tiens, attends. Flux. Plante-en dans le champ. Bon, testons les cadomatiques. Attention, c'est parti. Quoi? Bah, ça marche pas. Écoutez... Aucune récompense ne n'est... Je crains de ne pas avoir le cœur de... Aïe! Imagine s'il y a des points de vie. Mais ça n'a même pas marché, regarde! Ah, faut vraiment tout Félicitations, gagner, Félicitations, mon gars! Il faut donner un coup de main à ce monsieur! Ou du moins, un coup de gant! Mais c'est trop bizarre! Nous avons un gagnant! Et vous pourrez même emporter directement votre cadeau chez vous, car il s'agit du méga aimant des Trois Belges! Garanti sans glissade des mains, avec un bouton de marche arrêt très pratique et plus de poids que les hommes politiques du coin! Heureusement que mon sac est infini! Je regrette de vous décevoir, fiston, mais nous sommes ici. Je regrette de. Mais ça y est, j'ai tout! Allez, mais qu'est-ce que c'est? Bon. Est-ce que j'ai récupéré un aimant, un gant? C'est un gant de caoutchouc rouge. Un aimant ultra puissant des Trois Belges. Est-ce que je peux déboucher les chiottes avec mon gant en caoutchouc? Bon, maintenant on a de quoi faire. Je devrais peut-être y plonger la main. Pour voir si je trouve quelque chose. C'est vrai qu'elle est la pire chose qui puisse boucher des toilettes, hein? Non, rien. Merde. Non. Ce n'est pas ça qui débouchera la cuvette. Je sais pas, je suis malade.
Le gant est rouge. Du coup, peut-être que je peux attirer le truc avec. Quelqu'un a dit genre, hey, essaye le gant pour ramasser l'ail. Un épais gant de caoutchouc ne pourra pas me protéger de ces bruyères. Mais non. Quelle idée de merde! J'espère que t'as honte de toi. Ah, les mains pour la boule de foin et trouver une aiguille. Alors là, il y a des gens quand même qui se lèvent tôt le matin. Mais non, regardez, ça sert à rien. On peut pas planter les trucs dans le cratère. Hein. Vous avez trop d'imagination. C'est une bite, c'est toujours une bite. Ah, le meilleur perso de toute l'histoire du jeu vidéo. Ah, comme dit le proverbe, autant aimanter une aiguille dans une meule de foin. D'accord. C'est ça que vous cherchez. Mais elle va jouir maintenant, Michindax. Attention, ça va être sexuel. Amour chéri, vous avez retrouvé la pièce du Baratotron. Oh, quel amour vous êtes. Bonté bovine, je suis si excité que j'ai la panse toute remuée. Oh, délectation de la lactation. Excusez-moi, messieurs. C'est dégueulasse. Du beurre. Je ne sais pas comment vous remercier. Ou plutôt si, je sais. Prenez les deux premières plaquettes. Une pour chacun. Je suis ravi. J'ai hâte d'y goûter. On a toujours pas trouvé Rémi, hein. Je peux tester le gant sur l'émouvantail. En tout cas, là, les amis, je ne suis pas émouvantail dans mon slip. Vous voulez que je vous donne ça? Oh, je suis touché, mon ange. Mais non. Touché, merci. Avec un gant. Tu veux du beurre? Bon, en tout cas, en plus, l'aimant, il l'a gardé. À la fin, on aura tellement de merde. L'autre a vu du pop-corn. Qu'est-ce que je vais faire avec, quoi? Voilà, tenez, voilà du beurre. Ah, merci. Merci. Voilà. Je vous en prie. Je vous en prie. Du beurre. Oh, merci, mes amis. Maintenant, permettez-moi de vous faire profiter des délices de notre boulangerie. Oh, joie. Oh, bonheur. Je suis si heureux. Bois. Fais-nous un petit voilà, s'il te plaît, avec ton accent. C'est bien animé, bordel. Et voilà, une boule de pâte à pain préparée spécialement pour vous. Miam, miam. Oh, c'était merveilleux de faire enfin de la pâte. Oh, Dieu soit loué, je suis si heureux. Moi aussi, complètement, parfaitement heureux. Fabuleusement, incroyablement, merveilleusement heureux. Si seulement Rémi était là pour célébrer cet événement avec nous. C'est vrai que Rémi est mort. Dis donc, ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce que je fasse de cette miche de pâte à pain? C'est la pâte à pain d'Aldo. C'est la pâte à pain d'Aldo. Toujours rien à foutre dans ce placard. Je ne sais pas exactement. Je croyais que c'était une bonne idée sur le moment. La pâte est déjà assez beurrée. Mon fion est déjà assez beurré comme ça. Attends, pourquoi le gant dans la salle d'arcade? Là, vous me rendez fou. J'ai du beurre, j'ai de la pâte à pain. Il me faudrait un four là pour cuire des trucs.
qui dit beurre plus maïs égale pas. Je suis ici pour sauver le monde, pas pour préparer le dîner. Si je te donne la pâte à pain. Je ne pense pas qu'il ait faim. Si je vous donne mon doigt à sentir, ou mon poing dans ton rectum. C'est un trou là parfaitement rond. C'est la première fois que je vois ça. Putain, j'ai des étoiles, bordel, quoi. Ça n'a pas de sens! Elle veut du pop-corn. Il y a de la perdification. L'autre veut une bouteille de vin. Le mec il dit donne le gant au chien boxeur, mais ça n'arrête pas de sens. Quelle est la logique derrière ça? Attendez, déjà c'est on a le trucs... seuil de l'écureuil. Il y a des trucs à tester contre l'écureuil. Est-ce que tu veux une miche de Je pain? Je ne pense pas que ce soit. Est-ce que tu veux un coucher rectal? Je ne pense pas. Je n'ai rien. Attends, quelqu'un dit les dents pour l'écureuil? Mais enfin, mais en ville, il y a quelqu'un qui sait tout. J'ai l'air d'avoir ce qu'il faut comme dent, quoi. Pas terrible, comme. Il pourrait trouver. Mais je ne pense pas qu'il puisse le voir. Ah. Il pourrait trouver ça intéressant. Mais je ne pense. Pas terrible. Mais attends. Jean Michou. Plus, tu pourrais encore. Ah, il veut même pas, quoi. J'ai besoin de ces noisettes pour sauver Plus, le monde. Tu pourrais encore essayer. Ah, le mec a fini, quoi. On va se casser, hein. Il y a bien plus que de la pâte au beurre dans la cave, monsieur Benzaï. Le jeu me rend fou en plus parce que ça a de moins en moins de sens ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux qu'il en ait à branler, quoi? Ça valait le coup d'insister, Jean-Michemuche, hein. Il disait ouais, peut-être le truc pour dérégler la machine. Le petit chat en tout cas il est mort. Je ne pense pas qu'il ait faim. Non, non, pas comme ça. Est-ce que tu veux une chaîne en or? Pourquoi tu voudrais les étoiles sur le chat? Le chat est même pas interactif. Oh, le maïs sur les flammes! Oh, mais il y a des gens qui... Ouais, par contre, ouais, tu peux faire en sorte qu'il se casse la gueule, peut-être, ouais. Avec du beurre, tout glisse mieux, en général. Cher, on te poit à tous, ça rentre partout. Je peux pas faire cuire mon pain. Bah, du coup, fais-moi la démo. Rebonjour, mon vieux pote Jim. Je pense que vous faites erreur. Je ne suis pas un vieil ami à vous. Je ne crois pas. Fais et voir encore le truc. L'exercice a l'air très dangereux. Si c'était moi, j'aurais peur de me briser le cou. Mais vous n'avez pas de cou, donc vous n'avez pas à vous inquiéter.
Il n'y a aucun danger pour moi. Je maintiens mon équipement en parfait état de marche. Moi aussi, je maintiens mon équipement en parfait état de marche. Dans ce cas, si ce n'est pas trop vous demander, j'aimerais beaucoup revoir votre démonstration. Très bien. Je vais encore vous montrer ce que vous ne pourrez jamais faire. Cette fois, il y a du beurre. Putain, c'est la réalisation avec l'autre décor qui a changé. Est-ce que tu meurs? Ça m'intéresse. Vous partez déjà? Revenez quand vous ne pourrez pas rester! Vite, le gonflotron! Au fufu! Alors, quel effet ça fait d'être en super forme? Tu n'aurais pas de l'aspirine. Mais ça y est! Merci, ça m'évite de te foutre un poing dans la gueule, Jean-Mi Schmuche. Non! Bébé! Ah! Histoire d'un homme qui est pour essayer de sauver le monde. Beurrer des tartines. Et essayez par-dessus tout de récupérer des noisettes et une gousse d'ail. Mais c'est terrible, ils ont tué Jamichlindax, ça me foutait la gaule. Vous voyez qu'elle est morte, meumeu. Elle adorait tellement faire du beurre. Elle aimait tellement se faire traire, comme moi, on avait tellement de points de commun. Là, je vais niquer ta mère! Permettez que je cogne sur votre cognomètre. Bien sûr, allez-y. Tenez, votre maillet porte bonheur. Non, merci, j'ai apporté le mien. Moi, je pensais qu'il aurait genre un méga sprite de ouf, genre il ferait des muscles en dessin animé. Donne tout Christopher Lloyd sur toi. Ouais! Quoi? Mais c'est impossible! Enfin, je veux dire que. Eh bien, félicitations! Mais vous ne m'impressionnez pas. Je sais ce qu'on dit sur les types qui ont besoin de gros maillets. Ok, la pieuvre. Où est notre chablis? Mais oui, oui. Tenez! C'est pas possible! Prenez votre saleté de vin! Hé, ce n'est pas du chablis! C'est marqué vin de prune du capitaine Vantin! Oui! Et j'espère que vous vous étoufferez en l'avalant! Tasseur. Moi, je voulais faire un tasseur en fait. Eh bien, attendez! Combien de gens vont m'expliquer dans le chat qu'il faut le donner au loup? Attention, je vais compter avec le retard du stream. Donne le vin de prune à Globox. Voilà. Allez, je te banne. Non, j'éconne. Les Kniveux, je te banne. Non, non, non. Y'en a ras le cul. Vous me prenez pour un débile. Hein. Non, j'ai cru. Ce jeu est quand même mythique. Quoi. Putain, mais tellement pratique en soirée! «
Attends, il y avait les ronces derrière. Ça se trouve, il a débarrassé les ronces. Merci, Mirkinside. Attendez, à quoi a servi Flume depuis le début du jeu, à part faire diversion à un moment? Nous sommes dans une marmite! Ne t'inquiète pas, mon petit vieux. Je vais nous sortir de là en un clin d'œil. SM, nous avons fait une erreur stupide. Je crois que nous sommes tombés dans votre soupe. Là, je suis un peu perdu. Quelle erreur, vous dites? Bah, en fait, Flux et moi, nous n'avons rien à faire dans cette marmite. Nous sommes encore vivants, regardez. Marc, ne lui donne pas des idées. Écoutez, SM. Ah, pardonnez la réplique à Christopher, il se calme déjà très bien. C'est tout à fait contraire aux règles qu'un dîner en train de cuire m'appelle par mon prénom. Revenons plutôt à Monsieur le Loup, tout ça. Écoutez, Monsieur la gueule de la daronne en haut sur le portrait. Merci, là, Ziza. Ah, ça, c'est normal. Si vous nous mangez, le roi Hilarius sera très mécontent. Ce regard ne serait même pas mécontent si sa mère se faisait écrabouiller par un autobus. En plus, on l'a déjà volé. Il n'a aucune autorité dans cette forêt. Ici, c'est moi, le roi. Et vous? Putain, mais c'est moi de Wario, quoi. Je crois qu'il est temps de passer au plan B. C'est quoi le plan B déjà? Trouver un plan C. C'est bien ce que je craignais. Alors, comment je sauvegarde dans ce jeu? Ah, c'est F1. Les bonus sont totalement fous. Je sauvegarde où? Comment on sauvegarde dans ce jeu? Comment je sauvegarde? Attendez, comment on sauvegarde? En tout cas, une scène tellement pleine de suspense qu'on verra ça la prochaine fois sur Benzaï Live!